Oui. Vous, vous êtes, vous êtes. Et quand je dis nous sommes chez nous, c'est pour nous quatre. Ah, d'accord. Ouais. Non, non, non. Et vous, non, non. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez nous, mais en même temps, vous êtes chez nous. Non, non. Non, non. Philippe Friedman, il n'est pas chez nous dans votre d'accord, système. D'accord, d'accord. Voilà. Et moi, je ne suis pas chez nous dans ton système. Voilà, donc. Voilà. Dans mon système, il n'y a que nous deux qui sommes chez nous, parce que lui, il a des origines allemandes, il n'est pas chez nous. Mais là, je suis français, attends, je suis ici. Non, non, je suis plus français que le Gaulois ici. Attends, non, mais maintenant, il me met à part, moi. Ce n'est pas la question. Non, arrêtez, les gars. René, une question. Attends, laisse-moi finir. Une question, René. Oui. C'est quoi d'être français pour toi? Ah, t'es cassé, là. Chut, tais-toi, bon. Je suis français, j'en sais rien. Je sais que je suis français, c'est tout. Mais je n'ai pas défini les Français. Ça ne va rien dire. Je n'ai pas défini qui est. Ce que c'est qu'être français, j'en sais rien. Il y a nous, il y a le nous, et il y a le nous. Qui c'est? Alors qui c'est le nous? Tu appartiens au nous. Le nous est ambigu. Défends les tiens. Ah. Le nous est ambigu. Monsieur, je dis nous. Monsieur, quand je dis nous, monsieur, je veux éviter surtout le nationalisme. Ah bon, c'est pas une façon d'éviter le nationalisme. Alors ça, c'est pas le nationalisme. Je peux réagir, s'il vous plaît. Ça, c'est la discrimination du nationalisme. Non, mais c'est invraisemblable. Je peux réagir. Il n'y a pas d'expression plus xénophobe et plus raciste que le chez nous. Monsieur René, on écoute Mousse. Monsieur René, je veux dire, moi je comprends un peu. Je comprends un peu la frustration de monsieur René. Quand il dit chez nous, en fin de compte, ce qu'il veut dire, en fin de compte, c'est par rapport à ses origines religieuses. Parce que la France est une terre chrétienne. Oui, ça c'est vrai. Catholique. Catholique. Oui. Oh, pas chrétienne, catholique. Laissez-moi parler. Catholique. Attention. Le calendrier. Attention ce que tu dis. Le calendrier français. Attends, elle est au départ. Non, c'est catholique. C'est catholique. Avant la réforme. Avant 1500, ouais, elle était chrétienne. Chrétienne, hein, oui. Désolé, il n'y avait pas encore de catholique avant 1517. Parce que le bonne réponse, Jacques. Et moi, je réponds. Donc, la France, elle a quand même vécu dans le christianisme. Merci, monsieur. Dans ce confondu. Alors, catholique, c'est déjà un anachronisme de parler de catholicisme pour la France. Voilà. Alors. Merci, monsieur. Jacques Lebrun. Jacques. Monsieur Jacques Lebrun d'avoir réagi. Et je vais même continuer dans. Je vais quand même aller dans cette continuation. Dans le sens de Jacques. Dans le sens de Jacques, monsieur. Jacques Albron, ouais. Qui disait, en fin de compte, c'est par rapport à la religion chrétienne, oui, tout à fait. Mais la secte, mais en fin de compte, le catholicisme, c'est une secte de la religion chrétienne. C'est un courant de la religion chrétienne. Toutes les religions donc, sont des sectes. C'est considéré comme une secte. Stop, toutes les religions sont des sectes qui ont réussi. Non. Mais si. Non. Non, mais attention, c'est pas le départ, non. L'ami, tu es désolé. On reviendra. Ouais. On reviendra sur ce sujet. On reviendra sur le sujet des sectes. Et l'origine. Virer ce soir. Excusez-moi. Tu voulais virer vers ce genre de. On reviendra sur le débat. On reviendra sur le débat. On reviendra sur le débat. Il a été poussé dans ses retranchements. Mais. Il a essayé de dériver. Oui, d'accord, maintenant. Il a essayé de dériver sur le sujet. Mais je réponds à monsieur René. Ils ont fait la guerre. Je réponds à monsieur René. René. Je reprends à monsieur René. Et puis doucement, calmez-vous. Que monsieur René, il est un peu dans l'erreur dans ses propos. Il est complètement dans l'erreur, mais c'est pas grave. Parce que il y a quatre façons d'avoir la société française. Ah, bien sûr. Ah oui. Donc si on rentre dans la condition de la société. De qualité française, déjà d'une, il y a quatre façons. Bien parlé, mais... Il y a quatre façons d'être français en France. En France, et même voir français à l'étranger. Oui, il a répondu, il vous a dit que d'accord. Le fait d'être maintenant, français. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est très... d'être français. Vous, en tant que personne, c'est pas un... en tant que vieille personne née en France, en tant que Gaulois, et en tant que voir les revendications des terres chrétiennes, oui, en tant que chrétien, parce que vous êtes de confession chrétienne. Culture, vous avez été, culture, vous avez grandi dans le, vous avez grandi culture catholique. Oui, mais raison de plus. Parlez moins fort, raison de plus. Sans s'énerver, sans l'origine. Le catholicisme, c'est à l'origine. Le catholicisme, c'est dérivé de la religion à l'origine de la religion chrétienne. Mais qu'a aussi. Le catholicisme. Non. Bon. On parle du principe. Vous avez grandi dans une culture française. Tu peux charger ton portable là-bas. Vous avez grandi dans une culture bien française. Vas-y. De voir la religion chrétienne. Donc, je comprends très très bien vos revendications. D'accord. C'est-à-dire, je m'en fous de l'identité française, je m'en fous, je n'ai pas à la définir. C'est grave. Non, mais il y en a qui revendiquent. Oui, mais c'est Sarkozy. Il y en a qui sont allés. Sarkozy, non, Sarkozy qui est un français d'adoption. Pas du tout. Et ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. Et vous confondez
et vous confondez les choses. Mais attends, parce que vous faites confusion des choses. Là, vous confondez la patrie française, c'est-à-dire la nation. Je m'en fous de la patrie, je m'en fous de la France. Je m'en fous de la nation. La nation, je veux bien. Vous confondez la patrie, je m'en fous. Vous confondez la nation. Je m'en fous de la patrie française. C'est la République, monsieur. Je ne suis pas patriote, mais je m'en fous des patriotes. C'est la République. Oui, mais je me fous de la République. Il y a quand même toute la confusion dans vos propos. Je me fous de la République. Il y a quand même. Je me fous de la patrie. Oui, mais il y a quand même une confusion dans vos propos. Comment? Il y a quand même une confusion dans vos propos. Une confusion dans vos propos. C'est toi qui confonds tout. Te dire, vous êtes chez nous.